Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. Re-coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne petite question, est-ce qu'on va là-bas ou pas? Bah à mon avis, je pense qu'on va mourir avant. Mais bon. Soyons fous, allons-y. Je suis pas certain que ça va nous servir à quoi que ce soit, mais bon. Si c'est pas le cas, bah tant pis, on aura au moins essayé pour voir s'il n'y avait pas une île secrète. Moi, je cherche pas les secrets, bien évidemment, mais je suis en train de voir un petit peu par curiosité. Est-ce qu'on a d'autres possibilités que d'aller tout le temps dans la même zone? À mon avis, on va se prendre un joli râteau. Vu la déco, comment elle est dessinée, ça m'étonnerait pas. Ah, je doute qu'il y a quelque chose. Hein. De plus en plus même. Tu vois, je peux pas aller plus loin. C'est pas grave, on va essayer de passer par là. En tout cas, ici, on voit des arbres. C'est que je peux, à mon avis, hein, passer par là. Par contre, la radiation, elle va être fonde, elle va être énorme. Ouais, je vais arriver, je pense que je vais mourir plus de radiation qu'autre chose. Hein. Elle est énorme la radiation. C'est pas grave, comme ça on découvre un petit peu plus les côtés du jeu aussi. Hein. Malgré qu'il y a énormément de lieux à découvrir. Ah ouais, on est encore loin d'avoir tout terminé. Hein. Ah, la radiation. C'est long de le faire à la nage, ça. Pourtant, ça a l'air à côté. Hein. Ah, il y a un bateau là-bas. Faudrait qu'on le visite aussi un peu plus tard, celui là-bas. Eh, vous êtes sûr que je peux passer par là ou pas? Ma radiation, elle va me défoncer. Je suis sûr que je vais arriver. Il va me rester un tout petit. Non, mais... Oh là là! Oh là là! Oh, les ordures! Vous ne pouvez pas aller là-bas. Non, mais arrête, s'il te plaît. Fais pas de ton connard. Ah ouais, non, mais je suis arrivé à la limite du jeu. Oh non! Oh non, en fait... Bon, bah, c'est bon, on va mourir. Hein. Toi qui voulais voir le bateau, bah, tu vas le finir par le voir, mais tu vas mourir avant. Bon, je pense qu'on peut se retirer la pilule rapidement. Ah, c'est pas possible. Je me suis fait rouler. Ça va, j'ai de la chance. Le médicament fait quand même son effet pour mieux repartir. Me regrignoter. Ça va. Le bateau, je pense que je vais finir par y arriver. Son lumière, il est juste là. Là, il y a un autre bateau à faire. Et rassure-moi que je peux y aller sur le bateau, là. Ouais, sur ce bateau, je peux. Ouais, bah ça va. Si je peux, c'est bon. Voilà, je me mets un petit peu plus de santé. J'enlève complètement la radiation, presque. Ou presque, hein. Donc là-bas, il y a une maison. C'est bien d'examiner un petit peu ton voisinage pour voir qui habite à côté de chez toi. Ouais, ça peut être cool. Ah, la radiation calme-toi un peu quand même. Hein. Donc la maison, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait en plein milieu, celle-là. C'est pas la mienne, en tout cas. Parce que je la voyais pas à partir du bateau. Bonjour les piles, comment elle part vite. Hein. Nickel. Donc là je vois qu'on a un petit peu une centrale, on aurait dit Tesla. Là-bas c'est un petit peu une terre que je connais pas. Putain, il y a une explosion quoi. Eh, vous avez vu l'explosion? Je suis sûr qu'il y a... Eh, je suis sûr que je vais arriver là-bas, il y a une énorme bagarre. C'est une bonne idée de sauvegarder là ou pas, à votre avis? Je préfère passer par la brèche. Il y a des tourelles. Je vais sauvegarder. Hein. J'ai déjà repéré un endroit qu'on connaît pas.
On va prendre des armes classiques, hein. On va pas faire le fou avec des RPG. Ah, tu vois, c'est ça que j'aime bien, c'est l'exploration dans ce jeu-là. On a fait beaucoup de construction, maintenant on va s'amuser à explorer toutes sortes de choses. Putain, je suis sûr qu'il y a des grosses bestioles un peu partout. Oh merde. Nous avoir un gros problème avec gros II là-bas. On l'a éclaté, ça va, on a de la chance. C'est des Ruskov qui habitent là, Drastvuitier. Oh putain. Je vais pas utiliser mon RPG 1 pour ses beaux yeux à lui là. Au score, mes armes font vraiment pas de dégâts parce que je les ai pas mis à fond. Donc là, c'est les méchants qui me tirent dessus, je le sais très bien. Voilà, j'active un petit peu la lumière. D'accord, j'observe aussi comment ils se protègent. Hein. Ça, à mon avis, ça peut m'appartenir, ça. Et ta soeur, ça va? Elle va bien, ta soeur? Et ta soeur va bien? Je prends un peu de ses nouvelles, hein. Ah, laisse-moi tranquille, hein. Ta soeur va bien? Elle m'a collé un rendez-vous. Ah, moi, parle pas ta langue. Bon, il est pas content parce que j'ai sympathisé beaucoup avec sa soeur. Il a pas aimé. Bon, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment nombreux. Plus sérieusement. Putain, mais il est où, lui? Ah, là-haut! Ouais, bah. On sait qu'il faudra monter haut. Putain. Putain, radiation 14. Oh, je me fais encore bouffer par quoi que ce soit ici. Ils ont flingué un truc légendaire, t'es pas sérieux. Oh, il est chaud à tuer, lui! Ah, il s'est protégé! Ah, il s'est protégé! Bien! Ah, il s'est bien protégé! Bon, il était un peu plus facile celui-là. Toujours faire le tour en arrière. Pour mieux attaquer de face. Expert, attention, maintenant que je suis l'expert, je peux faire ce que je veux. Non. 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 Bon bah. Pep. On va finir par réussir. Hein. Quitte à galérer 2 heures, on va galérer même 3 heures. Mais non, ça va parce que je suis au niveau 4. Donc ça me permet de plus attendre comme avant. On perd moins de temps. Ah, c'est celui-là. Non. Bon, ouais, ça va, donne-moi du premier coup. En fait, il change des trucs, hein, j'ai remarqué. C'est un coup de chance, en fait, hein, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de combinaisons quand même possibles. Hein. Sachant que si je tape 14 fois sur la même, c'est Ça y est. celui-là. Éteindre les projecteurs, non. Voilà, désactive-les. Voilà, je me ferai plus exploser la gueule par les tourelles. C'est bien, non? C'est très très bien. Oh, la radiation, elle commence encore à me tomber sur la gueule. Nourriture, je m'en fous. C'est important de prendre ça. Ouais. Ah, il y a un méchant là-bas, avec un gros couteau. Ils sont combien d'eux? Oh, les pillards, ils sont bien installés un peu partout dans le jeu, hein. Donc là, il a quoi d'intéressant? Ça va, heureusement qu'on a désactivé un petit peu les tourelles, hein. On va sauvegarder ici.
Oh, j'aurais eu un trophée. Merde, on a failli d'avoir un trophée. C'est qui ça? Ouais, c'est une boîte explosive. Je crois qu'il parle Ruskov dans cette région ici. Commerdor? Hop. Là, il n'y a pas grand-chose. Là, je vais passer par là. Faut que je me rapproche plus, mon arme elle est tellement pourrie, elle fait tellement peu de dégâts. J'adore, je te jure, ce truc. Donc ok, on va passer par là-bas. Ça va, ils avaient quand même beaucoup de tourelles de protection, hein. C'est son arme qui me bloque pour une fois. Moi, j'ai jamais vu ça. Je suis sûr que ça va être exactement la même chose. Merde, je me suis trompé. Non, non. Donc, dites-vous bien, dès que vous allez voir des terminales comme ça, je vais tous les faire à chaque fois maintenant. Bon bah merci. Hop, je pense que ça va être celui-là. Génial. Putain, trop fort. D'accord, on a des projecteurs connectés. D'accord, là on a quoi là? Ça m'appartient maintenant, ça? Franchement, j'aurais bien aimé avoir ce genre de petit truc aussi. On a un petit bateau au cas où on a envie de faire un petit tour en bas. Ok. Putain, c'est une figurine, ça? Bingo. Oh! Putain, mais elle était bien cachée, cette figurine, je te jure. Hein. Ils sont pas sérieux. Ouais, c'est bien fait quand même. Hein. D'accord, en fait, on a ouvert un système. C'est bon à savoir, ça. Dommage que je peux pas, par exemple, utiliser maintenant cette base pour moi. Non, je peux pas. Ah. C'est quoi ça encore? Je crois que c'était encore une autre figurine. Je crois qu'il peut pas en mettre deux, quoi, dans une zone, quoi. On va voir c'est quoi ces conneries. On a une petite base là-bas. Je vais sauvegarder rapidement. Il n'y a plus rien là-bas. Je sais pas. On a des haltères. Tu crois que je vais soulever ça ou quoi? Ils sont malades dans ce jeu-là. Tu as combien en poids? Ça commence à être limite là. Hein. Ah mais c'est vraiment intéressant cette petite colonie là. J'ai juste un truc sur la carte. Terminé. Mais moi je l'avais cette épave. Et en fait il y avait une mission en fait à faire à mon avis là-dedans. Y a quoi en bas? Y'a rien. Ok, bon, on a découvert ça et maintenant on s'en va. On va tester l'autre à droite. Ça m'a sauvé le cul ce truc là. Franchement, vous avez vu comment je me suis fait sauver les fesses? C'est un drôle de truc quand même, hein.
T'actionnes le bouton ici, ça te ramène là. C'est trop n'importe quoi. On va tester à droite là. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Et ah, ça va nous appartenir, regarde. Ah, tu vois. Donc ça, c'est nettoyé, c'est bon. On va moins se faire merder. Et mon île, elle est juste derrière là-bas. Oh, ça va, comme ça, je vais faire. Ah, bah eux, je vais les flinguer direct. Hein. Sauvegarder. Ça va partir. Hein. Ils sont tous au garde à vous. C'est ça, il n'y a pas d'alliance, ouais. On peut faire des alliances avec eux ou pas? Comment ça marche une alliance? Parce que je dirais pas non, moi, pour une petite alliance. Sinon, c'est mon lance-boboule dans la tête qui va se prendre. Pour l'instant, je suis sage. Ah, mais là, c'est trop tentant. De toute façon, ils sont pas nombreux ici. Hein. Ça fait pas très longtemps que je suis là. Je connais pas bien ces gens-là. Excusez-moi. Je ne crois pas vous connaître. C'est la première fois que vous venez dans le coin? Oui, c'est la première fois. Dans ce cas, je vous souhaite la bienvenue. On est toujours content d'avoir des visiteurs à la ferme des Warwick. Je sais ce que vous pensez. Pourquoi installer une ferme dans un endroit pareil? Elle paie pas de mine et puis il y a l'odeur. Mais justement, c'est le truc. Vous voyez? Avant, il y avait une station d'épuration ici, juste sous nos pieds. Il y a la terre la plus fertile de tout le Commonwealth. Pas étonnant que vos cultures se portent aussi bien. N'est-ce pas? Je dois bien admettre que rien que le fait d'avoir cette conversation me fait prendre conscience de la chance que j'ai. On a eu quelques coups durs il n'y a pas si longtemps. Un groupe de super-mutants nous a attaqués. Ils ont dévasté nos champs. Avant, les miliciens nous auraient aidés, mais aux dernières nouvelles, ils étaient trop occupés à se faire la guerre entre eux pour se soucier de nous autres. Donc on s'est retrouvés seuls, et on a bien failli mourir de faim. Personne ne devrait voir sa femme et ses enfants souffrir. Pas vrai? Mais ça va maintenant? Oui, pour l'instant. Mais on n'est pas encore sorti de l'auberge. Les super-mutants sont toujours dans les parages. Ils pourraient revenir n'importe quand. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais si vous les éliminiez, on dormirait tous un peu mieux. Pardon, je ne peux pas vous aider. Oh, d'accord. On n'a plus qu'à se débrouiller alors. Bah bien sûr, tu crois quoi? J'en ai marre de faire la boniche à chaque fois. Moi, je voulais faire une alliance. Oh, ça va être chez moi, ça, dans pas longtemps. Bah ouais, non, mais attends, c'est... J'ai envie d'être le patron des lieux. Hein. Regarde, 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 ça va être à moi, tout ça. Y a pas un étage, s'il vous plaît? Non, y a pas d'étage, comme par hasard. T'inquiète pas, je vais pas me laisser faire, hein. J'explore pour l'instant. Bah oui, ça va être à moi, ça. Qu'est-ce que je m'en fous, moi, de ces civilisations? Je vais développer par moi-même. Hein. D'accord, j'ai pas compris ce saut-là, mais bon. Je cherche plus trop à comprendre. Franchement, moi, ça me fait un super endroit, là, ici, non? Ouais. Et après, il n'y a plus rien. Oh la magnifique feinte. D'accord. Regarde, en plus on a des super jouets ici. Ils sont passés où eux? Vous auriez dû filer. Bah ouais, mais t'es tout seul hein. Voilà, ça m'appartient. Ah, on peut pas les tuer. Dès qu'il est comme ça, on peut rien faire. Merde. Laissez-moi tranquille. Ma mère veut pas. Bon, je leur carreau tourne en attendant. Et après, je reviendrai plus tard. Hein. Je suis désolé pour cette magnifique colonie. Laissez-moi tranquille. Mais non, mais je peux pas.
Peut pas. T'as qu'à prendre le melon si tu veux. Non, dis, mais pourquoi tu les as tués? Parce qu'en fait, je voulais cette colonie rien que pour moi. Bah, attends, elle est quand même pas mal, hein. On va pas se mentir, hein. Même Strong, il me dirait, Body, t'as bien fait. Ah ouais, c'est comme ça, j'aurais bien voulu faire pas mal de petites choses, là. Hop là, là, il y a quoi? Regarde tous les produits qu'il y a. Non, les pâtés, pourquoi je les prends jamais? Mais ça me sert à rien, en plus, je les utilise jamais, ces trucs-là. Il y a quoi, là? Des bouteilles, des clés. Tiens, il y a des petits jouets, là. Il y a quelque chose ici. Ça va, tu peux me lâcher pour 2 kilos. Donc, elle, il faut lui parler, en fait, à elle. J'ai massacré tout le monde chez elle, mais ça va, elle me le pardonne. Ils sont gentils, des fois, les citoyens. Ça, c'est quoi? C'est l'or pour rien, ça. Salut. J'ai quelques trucs à vendre, si ça vous intéresse. Dieu sait que ça n'a pas toujours été le cas. D'accord, voyons ça. J'ai trop envie de leur voler tout ce qu'ils ont à chaque fois, mais je peux jamais. Oh là là, regarde. Et à chaque fois, je veux leur voler un truc, je l'ai jamais. Ça, c'est une bonne arme, mais elle vaut trop cher. On va s'acheter d'autres armes un peu plus loin dans dans d'autres zones, vous allez voir. Oh, bon, tant pis. Avançons. Bon, je les ai un peu trop massacrés, les pauvres. Il n'y a pas un terminal, là? Non. Oh, il n'y a rien. Il n'y a même pas une figurine. Alors... L'épave, là-bas. Ah, je vous ai dit, je vais tout fouiller, hein. On va rien oublier. Ça m'étonnerait qu'il y ait quelque chose, hein. Non, tu vois, il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Donc, on a deux solutions. On passe par le phare. Il y a un phare là-bas qui brille. On le connaît pas. Après, je sais où je vais aller, en fait, faire mes courses. À Diamond City. Je vais revendre un peu mes armes qui me servent à rien. Je vais les recycler une bonne partie et je vais prendre les armes les plus intéressantes. Je vais les garder sous le coude. Donc, le phare, je vous garantis peut-être qu'il y a quelque chose là-bas. Je suis pas certain, hein. Montre-moi sur la carte. Alors, aujourd'hui, je suis devenu un explorateur acharné, hein. Là, 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 là. Recharge-toi, s'il te plaît. D'accord, tiens. Le copain qui est là-bas. Encore heureusement qu'il n'est pas légendaire. Hein. Change d'arme parce qu'au corps à corps, il va me fouetter. Je fais attention parce qu'au corps à corps, maintenant, ces trucs-là risquent de nous piquer les fesses. C'est quoi ça? Bon, bah, s'ils ont envie, hein. Espérons que c'est ouvert, hein. Parce que j'ai pas envie de me faire piquer, hein. Cool. Il y a quoi là-dedans? Il y a rien. Là, j'ai... Oh, putain. Oh là là, ils sont fous, là. Ils sont fous, ils se lâchent. J'en doute qu'il y a quelque chose. Je doute qu'il y a quelque chose sur le phare. L'extincteur, il pèse trop lourd. Y'a quoi là? T'as tout ça pour ça? Des fois ils se foutent de notre gueule dans les jeux comme ça. Hein. Pas tout le temps, mais parfois ils arrivent à se foutre de moi. Hein. Bon, on va virer quoi? J'ai beaucoup trop de trucs qui me servent à rien. En fait j'ai des grosses armes sur moi, c'est ça le pire. Tu vois, ça pèse super lourd les armes que j'ai. 330. Hein. Mais attends, c'est l'inventaire, Body. Il faut que tu te débarrasses de quelques petits kilos.
Je vous garantis que j'ai des melons qui doivent peser, je sais pas combien. Attends. Où sont les melons là-dedans là? Melons. Tu parles que c'est les melons qui pèsent. Regarde. Tu vois? Les melons, ils sont lourds, hein. Oh, trésor, trésor, hein. Là, ça me plaît bien, ça. Enfin. Expert, attention, hein. Alors, heureusement, maintenant que j'ai bien débloqué tous les trucs, hein. Par exemple, pour pouvoir crocheter, parce que, sincèrement, on perdait beaucoup de temps, en fait, à revenir après sur ces endroits-là. Grenade. Menottes. Mine. D'accord. Merci. Ouais, y'a rien en fait. Hein. En fait, c'est Strong qui me manque. Non, déjà, mais Bodhi, il est où ton Strong? Bah, je sais pas, en fait, il est passé où ce clown hein. Je l'ai perdu, je crois qu'il s'est noyé. Le melon, non, mais attends. Le compagnon, il sert à rien en fait. Hein. Rien, il n'y a pas un truc secret quelque part. Donc le phare, il était bidon. Hein. On va juste faire un truc qui va vous faire plaisir. Non, c'est pas celle-là. Oh là, il va se gerber dessus. Il va se gerber dessus. Ah, est-ce que c'est vrai, j'ai des drogues aussi, hein. Je peux transporter combien par curiosité? Ah ouais, d'accord, ça double complètement le truc après. C'est quoi ça? Ah ouais, petit. Ils m'ont bloqué complètement là. Eh, ça bouffe ces bestioles, hein. Ils ont cru que ça piquait pas les fesses, ça. Ah tiens, maintenant un scorpion. Non mais vas-y, toi, ta soeur, elle est belle. Hein. Vas-y, casse-toi. Mais vas-y, j'ai rien fait, Jacqueline. Fous-moi la paix, j'ai rien fait, Jacqueline. Je l'ai pas touché, ta soeur. Gros cochon. Ah mais ils font mal, hein. Dès qu'ils te piquent le boule comme ça, là. Ah, tu la sens, la douleur venir, hein. Au début, c'est calme. Mais dès que ça pique, après, t'as mal, t'as mal, t'as mal. Il y a des abeilles maintenant géantes. Oh, c'est pas vrai. Il doit y avoir une grotte. Il y a une grotte quelque part. Ouah, il m'a fait flipper. Eh, hey, ta soeur, elle est... Hey, hey, hey. Elles sont sérieux dans cette zone-là. J'ai sauvegarde. Et j'ai... Oh, comment j'ai gueulé dans mon enregistrement, là. Putain, il y a que des Chewbacca, là. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Ils vont me défoncer ma race, hein. Nouvelle arme, tu connais. Je vais te la montrer. Tu vas voir, c'est quelle arme qu'il faut prendre dans ces genres de situations. Lance-boule, flamme, flamme tout. C'est quoi, cet insecte? Eh, hey, tu vas me niquer toutes tes balles. Hein? T'as cru que je suis qui? Oh, ils sont chauds! Ah, c'est un légendaire l'autre, hein. Ah, ils sont bien, bien mouvement, bien chauds, hein. Oh là 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 là. Regarde-moi cette grosse tafiole là. Bon, j'ai débloqué un point. Non, des points. Un point de compétence. Alors. On va voir ce que je vais mettre. Et je vais mettre tout simplement plus de trucs. C'est lequel le mieux? C'est celui-là ou celui-là? Il trouve encore plus de capsules. Mais c'est mieux aussi d'avoir des munitions, non? Ouais. Plus de munitions, ça va me servir. Les capsules, j'aurais dû prendre comme un con, mais ça, c'est pour le prochain, ça. Je peux pas passer par là ni par là. Donc en fait c'est une fausse alerte. Ah d'accord, tout est échoué ici. Au secours. Et ils m'ont bien descendu mes armes en tout cas. Ils se sont bien lâchés quand même les gros cochons. Hein.
Il y a une raffinerie ici quelque part. Juste, je vais passer comme ça, je pourrais tout simplement revenir au pire des cas ici. Voilà. Et moi, je poursuis ma route, hein. Donc ma route, en fait, je vais tout simplement retrouver mon côté sur le côté là-bas. Tiens, des maisons ici. C'est pas vrai, à chaque fois j'oublie qu'ils me font flipper. Mais non, mais j'ai rien fait. Eh hey, voisine, ça va? Je suis body, j'habite pas loin. Je sais que tu m'aimes, mais faut te calmer un peu quand même. Elle a une jolie arme quand même. Bon bah, il... si, je suis là. Là, je me suis bloqué comme un con là. Moi, ils sont où là? Eh mais, ah, ils sont là-bas sur le toit. Je sais pas ce qu'il y a dans ces ruines, mais en tout cas. Putain. Ils ont un sacré copain ici, hein. Il va me faire du mal, lui, hein. Heureusement, mon copain Fatman est toujours là. Hein. Oui, je vise bien. Je peux pas, je peux plus trop la tuer au Fatman. Ni en lance roquette. Elle va pas me lâcher. Je peux pas parce qu'en fait, je vais m'exploser tout seul. C'est bon. Ah, ils sont chauds dans cette colonie. Oh, ils sont chauds à flinguer, hein. En fait, c'est là où qui me dérange. Attends, il a quelque chose d'intéressant. Je sais pas à quoi ça nous servir, mais en tout cas, ça a l'air d'être légendaire. Ouais, là, je porte beaucoup de choses. Ça doit être une bonne colonie ici. Eh, j'ai plus d'armes. Fais chier. J'ai pris beaucoup plus de choses que je devais en prendre. C'est plutôt pas mal, mais ça a l'air d'être un peu chaud ici, hein. Alors, rapidement, on va faire un tour dans les tenues. Qu'est-ce que... Ah, putain, les tenues, elles sont pas mal, hein. Ah, je peux pas la porter parce que j'ai pas le truc. Alors, rapidement. Non. Non, non, ouais, non, 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 ouais, fouah, pas mal ça. Ouais, contre eux, poubelle. Ça va, mais je pèse encore lourd. C'est à cause de ce plastron là qui vaut 22 kilos, l'autre 17. Ah, ils nous ont bien cassé la gueule avec ça. Donc ouais, on va s'amuser un petit peu comme ça dans le prochain épisode. Qu'est-ce que vous en dites? Faut que je fasse super attention parce qu'ils sont très dangereux. A tout à l'heure les amis.